Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler du Bitcoin. Nous allons parler des prévisions qui sont faites sur le Bitcoin. Nous allons parler des élections américaines et l'impact des crypto-monnaies sur ces élections américaines. Ça risque d'être une vidéo assez intéressante pour ceux qui viennent de nous prendre la marche. Activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, nous avons fait une vidéo la dernière fois sur les élections américaines. Donald Trump, alors, est un pro-crypto, mais ce n'est pas simplement des paroles de politiciens. Alors, ils ont l'acte à la parole en permettant de recevoir des dons en crypto-monnaie pour sa campagne présidentielle. Alors, parmi ces crypto-monnaies, voilà, il y a du Bitcoin, il y a de l'Ethereum et il y a aussi du Shiba, notre pépite. Pourquoi? Parce que voilà, Donald Trump a compris que le Shiba draine du monde. Alors, pourquoi cracher sur cette grande communauté assez dynamique? Alors aujourd'hui, lors de son discours, encore dernièrement, il a fait encore allusion aux crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Et on va vous laisser regarder très rapidement. Voilà, j'invite à regarder, mais c'est en anglais. Voilà, j'espère que vous allez comprendre. Voilà, c'est un anglais. Voilà, je pense que vous pouvez comprendre. Voilà, regardez et puis après on va commencer. I will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in the USA, not driven overseas. I will support the right to self-custody to the nation's 50 million crypto holders. I say this with your vote. I will keep Elizabeth Warren and her goons away from your Bitcoin. And I will never allow the creation of a central bank digital currency. Vous avez vu la petite vidéo sur Donald Trump qui parle de quoi? Alors, en résumé, en succinct, voilà, donc il parle du Bitcoin, il parle des régulateurs au niveau des États-Unis qui s'acharnent sur le Bitcoin et leur intention c'est de centraliser une crypto-monnaie qui est décentralisée et veulent le centraliser. Voilà les objectifs. Alors, il dit si lui, il est aux affaires, alors il va aller dans le sens contraire, c'est-à-dire mettre des lois qui empêchent le Bitcoin d'être centralisé. Voilà en substance ce qu'il dit. Et donc, il sera du côté de la décentralisation et il va voir les pays où les États-Unis ont une certaine influence et convaincre ces pays-là à aller dans le même sens de la décentralisation du Bitcoin car il veut protéger les 50 millions d'utilisateurs de Bitcoin aux États-Unis. Voilà en substance, ce qu'il a dit. Et donc, tout cela démontre un tant soit peu l'intérêt vraiment réel de Trump avec les crypto-monnaies. Et donc, vous savez même qu'il y a une petite crypto-monnaie qui est née à partir de Trump lui-même. Voilà le chapeau qu'il porte. On appelle ça Manga. C'est une petite crypto-monnaie aussi qui est née aussi. Une crypto-monnaie qui, en tout cas, dans la vibe, on va dire, des élections américaines. Pourquoi? Parce que les gens ont profité. Comme la même manière, Floki est né avec Elon Musk. Alors, cette fois-ci, c'est Trump aussi avec son chapeau. Ils ont créé Manga. C'est une petite crypto-monnaie qui est aussi en train de faire parler de lui. Alors, peut-être dans d'autres vidéos, nous allons revenir dessus. Mais l'un dans l'autre, comprenez déjà que le Bitcoin continue d'attirer quand même le regard des uns et des autres. Cette fois-ci, alors, il s'agit encore de Tommy Lee aussi, qui est l'un des majeurs aussi de la crypto-monnaie, qui donne aussi des prévisions. Il est l'un des, il est le fondateur de ce fonds-là, de ce fonds de conseil, on va dire, sur les investissements qu'on appelle fonds strat. Eux, leur rôle, alors, c'est de regarder dans le marché, des spéculations. Alors, ils analysent tout ce qui est actif, spéculatif pour les institutions, pour les fonds d'investissement, pour les fonds de souveraineté, pour les fonds familial, pour les fonds de pension. Alors, ils mettent des stratégies en place et ils donnent ces conseils d'investissement à ces entités-là et à eux maintenant de prendre les décisions. Mais c'est des décisions très éclairées parce que, alors, eux ont analysé. Alors, lui, il est pro-Bitcoin. Alors, il parle du Bitcoin.
en ces termes que voilà, c'est une crypto-monnaie, c'est vrai, mais c'est une crypto-monnaie qui a même temps devenu aujourd'hui une réserve de valeur. Et cette réserve de valeur, selon lui, va continuer son ascension cette année-là. Alors, selon lui, le Bitcoin ira jusqu'à 150 000 $. Voilà ses prévisions pour la fin de cette année. Je n'ai pas dit l'année prochaine. Alors, Tommy Lee se projette pour cette année pour un Bitcoin à 150 000 $ d'ici la fin de l'année. Alors, il se fonde sur quel argument pour donner cette allégation? Il dit que, voilà, selon lui, d'ici la fin de l'année aussi, voilà, concernant la Fed, alors ils vont faire ce qu'on appelle les taux réducteurs, voilà, au niveau, voilà, des taux, ils vont réduire les taux, voilà, les taux seront réduits, ce qui va, voilà, réduire un tant soit peu l'inflation. Et donc, si l'inflation se réduit, qu'est-ce qui va se passer? Alors, les gens vont avoir un certain pouvoir d'achat, et ce pouvoir d'achat, ils vont faire quoi? Ils vont investir dans un actif qui a de la valeur, un actif qui peut aussi multiplier les gains. Alors, ils vont aller investir dans le monde des crypto-monnaies. Et donc, du coup, tout cela va pousser le Bitcoin à atteindre un nouveau record de 150 000 $ d'ici la fin de l'année. Voilà les prévisions assez précises. Voilà que voilà Tommy Lee a fait voilà pour la fin de cette année. Et donc si le Bitcoin atteint 150 000 $ d'ici la fin de l'année, ça serait une chose assez intéressante pour le marché. Le marché sera en plein essor, en pleine ébullition. Certaines crypto-monnaies vont déjà peut-être même nous faire des nouveaux ATH tels que PP, tels que Shiba, tel que peut-être les cake, certaines crypto-monnaies en tout cas pourront tirer déjà les épingles du jeu par rapport au bull market déjà qui pointe du nez. Et donc c'est une prévision assez intéressante que nous avons voulu voilà vous donner ici comme information pour vous préparer à l'impact. Notons aussi que les élections américaines vont se tenir voilà à la fin de l'année aussi, c'est prévu le 5 novembre. Alors, beaucoup de choses se préparent pour cette fin d'année qui risque d'être assez explosive. Voilà. Et donc, tout ça là, ce sont des ingrédients qui vont nous donner une sauce assez consistante pour la fin de l'année. Alors, le festin de fin d'année risque d'être assez intéressant si tout ça là, alors, nous donnons, alors, les résultats escomptés. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Les autres analyses, alors, vont se faire en formation. Et donc, la prochaine formation, c'est prévu au niveau d'Abidjan et c'est prévu le 6, voilà, le 6 juillet prochain, aller interagir avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions, voilà, au niveau d'Abidjan. Et cela se tiendra à la Bourse du Travail de 13 villes, la 11e édition. Alors, félicitations Abidjan pour cette 11e édition qui va voir le jour. Et donc, la prochaine édition après Abidjan, alors c'est au niveau de Doumé et l'édition se passe aussi en le mois de juillet. Et le mois de juillet pour Oumé, ça se tiendra le 20 et le 21 juillet prochain au niveau Doumé. Alors comme je l'ai dit aussi, le 13, on a une formation, mais c'est une formation, on va dire, où nous avons été invités. Voilà, et donc cette formation va se faire à l'hôtel, voilà, qui s'affiche ici. Et donc, voilà, nous sommes un invité parmi voilà, tant d'autres, alors en tant que formateur, pour vous donner notre expertise, voilà, pour voilà, relever aussi le niveau voilà, de cette conférence qui va se faire, voilà, aussi le 13. Voilà, et donc nous donnons aussi l'information ici, voilà, à nos abonnés d'ici, afin que, voilà, ceux qui veulent aussi participer à cette formation soient là-bas. Et donc, voici les différents, voilà, les différentes dates qui sont données, sans oublier la prochaine date, la deuxième édition de Korogo aussi. Et donc cette deuxième édition va se tenir le 27 et le 28 juillet aussi. Alors le mois de juillet, c'est un mois où nous serons beaucoup bousculés, nous serons beaucoup partis. Et donc voilà, et donc les sacs sont déjà prêts, voilà, par rapport aux différentes informations utiles, voilà, que les gens pourront bénéficier pour préparer et déjà même tirer la épingle du jeu maintenant, même déjà même que le Bitcoin, voilà, en train de monter, alors beaucoup vont commencer à tirer les épingles du jeu. Alors ceux qui ont déjà fait les formations, beaucoup sont déjà contents parce que Pépé est en train de faire quelque chose. Pépé est en train de faire quelque chose, donc ils sont vraiment contents parce qu'ils voient leur portefeuille en train de grossir, parce que nous avons déjà détecté cette pépite depuis belle lunette et nous avons
voilà, mis l'accent dessus et nous avons donné des stratégies, voilà, comment tirer profit, même pendant, en tant que holder, en tant que quelqu'un aussi qui fait aussi du swing trading aussi, on a donné tous les rudiments aussi pour que les gens puissent manger déjà même, avant même que Pépé même commence à brûler les zéros là, comme s'il est en train de mailler Tchongo. Voilà, donc voilà un peu les informations qu'on avait à vous donner sur l'actualité. Donc, Korogo se prépare pour sa formation, la deuxième édition, et c'est prévu le 27 et le 28 juillet prochain. Voilà, allez interagir à Korogo uniquement avec le grand leader qu'on appelle Kofi. Voilà, et donc, afin que vous puissiez voilà, vous inscrire et profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.